Bonsoir, Azoul Felaouine. Amsal khair alaykoum. Alternaculture vous retrouve ce soir avec une nouvelle émission consacrée à Mouloud Feraoun. Mouloud Feraoun, écrivain de la génération 52, auteur considéré comme l'un des piliers de la littérature algérienne. Mouloud Feraoun est décédé très jeune, à l'âge de 49 ans. Il fut assassiné par un commando de l'OAS le 15 mars 1962, le jour de la signature des accords d'Évian. Alors, qui était Mouloud Feraoun? Qu'a-t-il écrit? Quelles sont les caractéristiques de son écriture? Pourquoi le journal de Mouloud Feraoun est-il d'une brûlante actualité? Et pourquoi est-il important de le lire et de le relire même pour comprendre l'homme et l'écrivain qu'il était, mais pour aussi connaître l'Algérie d'hier, pour comprendre l'Algérie d'aujourd'hui? Alors, pour en parler, j'ai invité trois personnes. Donc, on a en principe Jaoudet Gassouma qui a un problème pour se connecter. S'il est là, il nous parlera de la dimension tragique dans l'écriture de Mouloud de Feraoun. Et Jaoudet Gassouma est écrivain, journaliste, plasticien et réalisateur. Et nous avons là, en face de nous, donc sur le plateau, Rachid Oulebsir, qui est écrivain et éditeur. Et Rachid parlera de la population indigène, donc civile, dans les hommes, non, les femmes, les enfants, les personnes âgées, etc., sous la plume de Mouloud Feraoun dans le journal. Et nous avons également Fares Lounis, qui est étudiant et il est rédacteur, il contribue avec plusieurs journaux en France et en Algérie. Et Fares Lounis nous présentera le point de vue ou le regard d'un jeune Algérien sur l'écrivain qu'était Mouloud Feraoun, et il nous parlera également du journal de Mouloud Feraoun. Et donc, on va commencer avec une note biographique, donc qui était Mouloud Feraoun, et c'est Fares Lounis qui va nous présenter cette note. À toi, Fares. Alors, pour commencer, une brève présentation de Mouloud Feraoun. Mouloud Feraoun est né le 8 mars 1913. Alors ça, c'est ce qui est consigné sur l'état civil. Mais on a trouvé une note dans ses lettres, dans l'un de ses brouillons, qui note qu'il est né réellement le 15 février 1913. Alors, à l'âge de 7 ans, Mouloud Feraoun entre à l'école primaire. Il commence sa scolarité de manière un petit peu difficile, mais il arrive à s'y mettre et à percer et à réussir. À 13 ans, il obtient son certificat d'études. En octobre 1928, il réussit à obtenir le concours pour accéder aux cours complémentaires à Tizi Ouzou. En 1932, il intègre l'école des instituteurs et de la Bouzaria. Et en 1935, il finit ses études et il est maître et il commence à exercer son métier. Donc, naturellement, son enseignement, il va commencer à Tizi Hibel et puis il va passer à Fort National, c'est-à-dire la commune à laquelle est rattaché son village natal. Et puis il va passer dans les années 50 à Alger, au clan Salambier. Voilà. Et donc il sera assassiné le 15 mars 1962. Et entre autres, mis à part la carrière d'instituteur, il était aussi écrivain et il a exercé son métier en toute discrétion. Et par exemple, dans son entourage, dans le village, très peu de gens savaient que Feraoun écrivait. Donc c'était vraiment quelque chose de personnel. Et l'écriture était pour lui, comme il a écrit dans son journal, un acte qui répare la laideur du monde causée par le colonialisme.
Donc, c'était pas un écrivain mondain ou quelqu'un qui écrit pour jouir ou pour le plaisir de l'écriture, mais c'était réellement un témoin. Voilà. Et on témoigne le fils du pauvre, la terre et le sang, les chemins qui montent, le roman achevé et inachevé à la fois qui est l'anniversaire ou la cité des roses. Donc, l'écriture pour Ferahoun était de l'ordre du témoignage. Voilà. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on sait comment il a commencé à écrire et qu'est-ce qu'il a vraiment. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui a déclenché le point déclencheur pour qu'il puisse. Pour qu'il commence à écrire en sachant qu'il vient quand même d'un village, que, enfin voilà quoi, il a vécu dans un environnement qui n'était pas favorable, quoi, qui n'avait pas, voilà. Alors, en fait, c'est une question de hasard. Premièrement, Ferahoun avait un père qui travaillait énormément, et c'était un père qui travaillait dans les mines. Et donc, il a passé toute sa vie entre les mines de Tunisie, les mines de l'Est algérien, les champs, etc. Donc, c'est quelqu'un qui bossait et qui a pu assurer un minimum de confort matériel à ses enfants avec lequel ils ont pu déjà étudier. Et dans la famille Ferahoun, il n'y a pas que Mouloud qui est instituteur, il y a son frère aussi, Idir, qui était instituteur à Alger. Alors, concernant l'écriture, on a une trace dans ses lettres, et notamment dans une lettre à Robles, c'est disponible dans ses lettres, c'est un recueil publié au Seuil qui s'intitule « Lettres à ses amis ». Et donc, on a une trace dans l'une de ses lettres où Ferahoun disait à Robles, parce que Robles à cette époque-là commençait à écrire, son ami Emmanuel Robles, et lui disait que ce serait très bien, quand il va écrire un roman, de mentionner un personnage kabyle comme lui, etc. etc. Et Robles lui répond par la suivante. Il lui a dit que ce n'est pas à moi d'écrire et de mettre en scène dans mes romans des personnages kabyles, mais c'est à toi de le faire. Et donc là, c'était vraiment le déclic qui a poussé Mouloud Ferahoun à écrire, parce que c'est quelqu'un qui vient de l'oralité, hein, c'est quelqu'un qui a été bercé par les poèmes ou bien les isfras de Simouhend, auquel il a consacré un essai en 1956, je pense, ou 1957, publié aux éditions de Ménil. Voilà. Donc, c'était suite à un échange avec Robles que Mouloud Ferahoun a pris l'initiative d'écrire. Bon, après, il pourrait y avoir d'autres motivations, il faut peut-être creuser un peu plus. Merci Fares. Alors, visiblement, Jawdet Gassouma n'arrive pas à se connecter, il n'est toujours pas connecté, j'espère qu'il sera là. Sinon, on sera obligé d'amputer une partie de l'émission, mais bon. Alors, donc, une note biographique présentant Mouloud Ferahoun, avant de commencer. Et en principe, c'était Jawdet qui devait parler du tragique dans l'écriture romanesque, en tous les cas. Et on devait ensuite parler du journal. Donc, on va commencer par le journal. Alors, avant de donner la parole à Rachid Oulebsir, qui va parler justement du journal, on va passer une vidéo. Alors, cette vidéo, c'est Emmanuel Robles, qui était très lié à Mouloud Ferahoun, qui parle de Mouloud Ferahoun. Ah, voilà, Jawdet, il est là. Très bien. Donc, on va d'abord parler du journal et ensuite on reviendra à Jawdet. Merci Jawdet d'être là. Vraiment. Alors, Rabah, on va passer à un extrait de la vidéo et ensuite on demandera à Rachid d'intervenir et ensuite on reviendra à Jawdet. Donc, Rabah Moula, extrait.
Ici, à El Biar, tout en haut d'Alger, 10 hommes étaient réunis le 15 mars 62. Ces hommes étaient les enseignants, ils parlaient de cours du soir à ouvrir, d'analphabètes à éduquer, mais c'était le temps où Alger vivait sa pire époque de folie. Un commando d'hommes armés, une rafale de mitraillettes, 6 hommes tombent. Parmi ces 6 morts, un écrivain qui faisait honneur à la fois aux lettres françaises et à son pays, l'Algérie, Mouloud Feraoun, que nous allons retrouver d'ailleurs ici. Il faut dire que Camus était algérien presque au sens physique du mot. Il dit bien que, à propos des événements d'Algérie, il dit « j'ai mal à l'Algérie comme d'autres ont mal au poumon ». Nous le considérons comme une gloire algérienne. Et le fait pour lui précisément qu'il se soit cantonné dans ce silence, et pour ce qui nous concerne, je crois que c'est une marque de sympathie, sinon plus, pour nous. Mouloud Feraoun est enterré dans le petit cimetière tout au haut de Tizi Hibel, le village où il était né. Vivant ou mort, il est resté fidèle à sa terre kabyle qu'il avait magnifiquement chantée dans son œuvre. Le dernier de ses livres vient de paraître. C'est le journal que Feraoun avait tenu pendant les 6 dernières années de sa vie. C'est Emmanuel Robles, autre écrivain originaire d'Algérie, qui a fait paraître ce journal. Il nous explique comment le manuscrit en est venu entre ses mains. Eh bien, Mouloud Feraoun rédigeait son journal sur des cahiers d'écoliers. Et en décembre, il était venu pour 2 conférences à Saint-Germain-en-Laye. Il m'avait remis la plupart, les 20 premiers cahiers, si vous voulez, de son journal. Et ensuite, il m'avait transmis par la poste les 2 derniers cahiers. Vous dites des cahiers d'écoliers. Je crois qu'effectivement, et pour éviter toute surprise, il mélangeait même ses cahiers avec ceux de ses écoliers en classe. Oui, à l'origine, il utilisait des cahiers d'écoliers parce que c'était commode, parce qu'il les avait sous la main. Parce qu'il était un maître d'école. Parce qu'il était un instituteur, bien sûr. Mais aussi, il les cachait par précaution. Il avait été perquisitionné à 2 ou 3 reprises et il craignait qu'on ne mette la main sur des écrits qui, parfois, pouvaient présenter pour lui quelques dangers s'il tombait entre certaines mains. Vous l'avez connu combien d'années? Je l'ai connu en 1932 à Alger. Nous étions tous les deux à l'école normale de Bouzaria. Il était un élève très appliqué, très doué, et je me souviens qu'il était d'un caractère si doux et si aimable qu'il, vraiment, il ne comptait pas d'ennemis, et qu'au lieu d'élire le plus mauvais élève, comme on le faisait par dérision souvent à la fin de l'année dans ses fêtes. Alors, on va revenir à la vidéo. Alors, je vais vous présenter brièvement le journal. Alors, Mouloud Feraoun a tenu son journal clandestinement sur des cahiers d'écoliers pendant 7 ans, alors de 1955 à 1962. Et c'est un témoignage livré sous forme de récit durant ou dans un moment trouble de la période coloniale. Et il y notait tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il écrivait. C'était un fin observateur, et tout ce qui le tenait à cœur, tout ce qui le peinait, tout ce qui lui donnait à réfléchir. Et il y notait également ses questionnements, ses réflexions, ses critiques et ses prises de conscience. Alors, son récit commence le 1er novembre 1955. Alors, cette date est symbolique parce que, alors elle est symbolique pour les Français parce que c'est la Toussaint, c'est la fête des morts, et elle est également symbolique pour les Algériens parce que c'est le premier anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance algérienne. Alors, il écrit de manière régulière de 1956 à 1959, il s'arrête, puis il reprend l'écriture de son journal en 1960. Et la lecture de ce récit laisse transparaître l'image d'un homme honnête, sincère, lucide, un homme spontané et un homme intransigeant. Intransigeant avec le système colonial, avec les colons, et également intransigeant avec les maquisards, donc avec le FLN. Voilà. Et donc, Mouloud Feraoun émerge là comme un homme profondément humain et humaniste. C'était un humaniste et c'était un adepte de la non-violence parce qu'il dénonçait, il exprimait son désaccord avec la non-violence. Donc ça, c'est juste un petit résumé. On va reprendre
La vidéo, un moment où Emmanuel, justement, Robles parle des livres de Mouloud Feraoun et de son assassinat. Donc, on va reprendre la vidéo. Et donc, oui, alors, le journal, en attendant qu'ils mettent la vidéo. Voilà, donc c'est là le journal. Alors ça, c'est la version originale, donc de 1962. Et ça, c'est la version poche, en fait, Farès. Hein, c'est bien ça. Farès, on ne t'entend pas. Oui, c'est la collection en poche. Voilà. Voilà, donc vous avez les deux. Je sais pas, est-ce qu'il y a les ajouts dans la collection dans la collection Cadre Rouge? Parce que dans la collection poche, il se termine le 14 mars. C'est Robles qui a ajouté Le 14 mars, oui, c'est quelques. ça, le 14 mars, Ah bah, effectivement. très bien, très bien. Si, c'est le 14 mars, en fait, 1962. Ça se termine le 14 mars 1962, alors qu'il a été assassiné le 15 mars, en fait. Et il disait, je ne veux pas mourir. Hein. C'est comme dans le fragment du 14 mars, il disait, je ne veux pas mourir. C'est comme s'il a pressenti son assassinat. C'est impressionnant. Alors on attend la vidéo, elle arrive là. C'est un moment très important parce que Emmanuel Robles, avec qui il était vraiment lié, et il a publié, en fait, Mouloud Feraoun a publié, hein, vous êtes d'accord, il a publié grâce à Emmanuel Robles. Alors Emmanuel Robles, pour rappel, c'est un pied noir, un écrivain pied noir d'Oran. Voilà, donc. Un grand écrivain, hein. Oui, et c'est grâce à lui que Mouloud Feraoun a été publié, en fait. Absolument, parce qu'il C'est était grâce éditeur au Seuil. au Seuil, voilà. Il avait la collection Méditerranée, je crois. Absolument, Je crois que c'est ça. Il absolument. dirigeait la collection Méditerranée. Alors, on attend cette vidéo et je ne vois pas Rachid Oulepsir. Il a disparu, Rachid. Je ne comprends pas. Je suis On là récupère parce que. Jaoudi. Ah non, il revient. Oh oui, Rachid. Il y a une coupure d'électricité. Ah Oh. oui, là tu es dans Alors l'obscurité. là, je fais un partage de connexion avec le portable. Je ne sais pas combien ça va tenir, mais. D'accord. Rachid, on va juste passer la vidéo. Si tu veux économiser, on va juste repasser un passage important dans la vidéo et ce sera à toi. D'accord? D'accord. Donc, essaye d'économiser. Et on essaye un peu D'accord. oui. Farès, tu peux nous dire un mot ou deux sur le journal, toi, comment tu l'as ressenti? Alors, avant de dire un mot sur le journal, je vais Juste vous un dire. mot, Oui, Farès. un petit mot, oui. Voilà, juste un petit mot en attendant la vidéo. Vas-y. Oui. Je vais vous lire un petit passage des Chemins qui mentent. D'accord, à très bien. Voilà. N'est-ce pas qu'il est généreux, lui, qui souffrait de la misère des autres, lui qui était prêt à mourir pour les autres et qui est mort stupidement. Voilà. Ça, c'est un passage des Chemins qui mentent et qui a été écrit dans un livret en marbre sur sa tombe. D'accord, ok. Ah, ok. Oui. Celui qui Ouais. a souffert pour les pauvres et qui est mort stupidement. Là-bas, on a la vidéo. Alors, tout le monde disparaît, là, comme ça. La vidéo. D'une façon générale, qu'est-ce que vous pensez de l'écrivain? Il avait commencé par un livre qui était un livre autobiographique et aussi un documentaire sur la Kabylie. Il racontait pour les Français, non pas pour les Kabyles, il racontait ce qui était la vie de tous les jours dans son pays. Ensuite, il a écrit un roman, mais véritablement un roman, La Terre et le Sang, bien composé, mais encore une fois, avec peut-être un apport de pittoresque. Dans le troisième roman, Les Chemins qui montent, là déjà, il a donné sa pleine mesure. À mon avis, il a annoncé, c'est pour moi un chef-d'œuvre, Les Chemins qui montent, son meilleur roman. Mais cela a annoncé un très grand écrivain.
par le style, par la composition, par l'art très dépouillé, n'est-ce pas, d'analyser les âmes. Cette investigation psychologique était déjà, à mon avis, très poussée. Et en même temps, il avait supprimé tout ce pittoresque, tout cet exotisme qui pouvait figurer avec trop d'abondance, c'est ce qu'on lui a souvent reproché, dans son premier livre. Il avait un roman en train, juste avant sa mort. Il avait un roman en train, en effet, mais qu'il avait à peine commencé. Il en a écrit 4 chapitres et il inscrivait en marge les dates de rédaction. Et on peut lire la date du 11 mars, c'est-à-dire qui précédait de 4 jours seulement sa mort. Pourquoi l'a-t-on tué? J'en sais rien. Je crois qu'il n'était pas visé, lui, en tant que pharaon, ni en tant qu'écrivain. Il a été tué parce que c'était les centres sociaux même. Les centres sociaux, c'était des cours de formation d'adultes, n'est-ce pas? Uniquement. Alors qu'est-ce qu'on leur reprochait? Eh bien, je ne sais, il me semble qu'au cours d'un procès, quelqu'un a signalé cette œuvre des centres sociaux comme un nid, c'est l'expression, je la cite, comme un nid d'agitateurs FLN. Et on les a choisis sur une simple liste comme des condamnés droit commun, n'est-ce pas? Ça a été une chose atroce. Et Pharaon s'est trouvé mêlé à d'autres hommes qui avaient autant de mérite que lui. Je peux citer Max Marchand, Salah Houldaoudia, qui ont été, au même titre que lui, des martyrs d'une cause généreuse, celle de l'éducation permanente, celle de la générosité, une cause en faveur de tous ceux qui n'ont pas pu accéder à l'instruction et à la culture, c'est-à-dire une promotion sociale éminemment valable. Vous êtes français d'Algérie. Je suis oranais. Vous êtes pied noir. Je suis pied noir. Vous faites partie d'un groupe social avec lequel Pharaon s'est heurté. Pas du tout. Pharaon avait c'était un homme sans haine, véritablement. Et il avait une très grande sympathie. Il les plaignait. Si vous lisez son journal, vous l'avez lu, vous retrouvez tout au long de ses pages une très grande pitié. Ce qu'il dénonçait, c'était cette manière d'accaparer pour soi seul, n'est-ce pas, un pays qui appartenait aussi aux autres. Et il accusait évidemment certaines forces d'argent, etc., qui, selon lui, avaient truqué ce pays. Mais alors, pendant la guerre, l'amitié entre Pharaon et vous, entre Pharaon et d'autres Français d'Algérie, est-ce que ça est devenu plus difficile? Pas du tout. Les liens ont été au contraire très resserrés. Nous souffrions beaucoup, nous étions déchirés par la situation qui était créée. Des hommes tombaient tous les jours et chacun avait choisi son camp. Mais c'était toujours un camarade ou un ami d'enfance ou un voisin ou un ami qui tombait, toujours un être très proche de nous. Et moi, j'ai vu tomber autour de moi des tas de gens, et peu importe la position politique qu'ils avaient prise et le choix qu'ils avaient fait, de toute façon, il y avait mort d'homme, et cela nous touchait énormément. Et si nous étions déchirés, c'est parce que le drame nous touchait au cœur. Il aimait les hommes, tout simplement. Tout simplement. Merci. Il y a une phrase extraordinaire dans ce que dit Emmanuel Robles. Chacun avait choisi son camp, mais on ne se détestait pas. Et nous, on a tendance à, si on n'a pas le même positionnement, si on n'est pas dans le même camp, on se déteste et on s'attaque et on se fait la guerre. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, la parole à Rachid Oulebsir. Donc, Rachid Oulebsir va nous parler de la population civile sous la plume de Mouloud Pharaon dans son journal. À toi, Rachid. Le micro, Rachid. Micro. Oui, vous m'entendez? Rachid, très bien. D'accord. Alors, je vais commencer par dire un petit mot sur ce journal. Donc, ce journal, c'est une chronique, comme tous les journaux, qui a deux grandes périodes. Donc, de ce 1er novembre 1955 jusqu'à fin juillet 1957, Mouloud Pharaon est à Fort National, ce qui se dénomme en ce moment l'Arbaana Thilathem. Donc, c'est une sous-préfecture, une sorte de gros bourg de montagne autour duquel, en cercle concentrique, sont éparpillés les villages sur les crêtes et les tribus. Et à partir de d'août 1957, Pharaon se retrouve dans un quartier populaire, Clos Salambier, à Alger. Donc, c'est une double chronique. C'est une chronique de la guerre au quotidien du 1er novembre 1955 au 31 juillet 1957, donc dans la montagne Kabyle, et une chronique de la guérilla et de la guerre urbaine
au niveau d'Alger, dans les quartiers populaires d'Alger. Donc c'est un peu deux mondes, deux durées différentes. Dans le journal Feraoul, s'était appliqué quasiment au jour le jour à noter les événements et il se privait pas aussi d'être un peu intimiste, de s'impliquer, de parler de lui, de parler de ses sentiments, de ce qu'il voit. Il commente un petit peu, mais il s'en tient souvent aux faits. Évidemment, il a beaucoup de pitié, beaucoup d'humanité, il est scandalisé et il était autant respecté par les deux parties en conflit et tout le monde voyait en lui quelque part une sorte de messie qui pourrait un jour faire partie de la solution globale. Et à ce titre, il avait donc échappé à la mort à plusieurs reprises. Et voilà, le journal, c'est donc un récit ou une chronique de la déconstruction par des forces intérieures, notamment les populations algériennes, les Kabyles en montagne et les Algérois, des tentatives de déconstruction de l'ordre colonial qui était inique et répressif et scandaleux à plus d'un titre. Parce que les colons s'accaparaient tous les privilèges et ils étaient couverts par l'administration et l'armée coloniale. Donc Mouloud Feraoun nous raconte cette déconstruction et c'est surtout dans le détail comment la population algérienne construisait le divorce avec l'ordre colonial, comment le fossé s'agrandissait petit à petit. Et dans cette chronique là, il y a trois forces qui cohabitent, qui interagissent. Il y a l'armée coloniale française qui est, à laquelle était adossée l'administration, et il y avait les forces naissantes qui s'appelaient organisation du FLN et ALN, donc qui voulait se substituer ou bien écarter, déconstruire et détruire l'ordre colonial, précisément pour instaurer un nouvel ordre. Et Mouloud Feraoun explique au quotidien que ces essais, ces tentatives de faire naître un monde nouveau et faire régner la liberté, ou bien sortir du statut d'être inférieur imposé par la colonisation, n'était pas toujours une réussite du côté du FLN. Donc, c'est un peu l'âme, si vous voulez, de ce journal-là. Maintenant, ça se passait où? C'était donc en montagne, en première partie, dans les villages de Kabylie, et dans la deuxième partie, dans les quartiers populaires d'Alger. Et ça a duré donc de novembre 55 au 14 mars 1962. Le lendemain, 15 mars, Mouloud Feraoun est assassiné, comme on l'a vu sur la vidéo, on l'a entendu. Et en fait, la troisième force entre le FLN-ALN et l'armée française, c'était la population civile. Alors, Mouloud Feraoun en dit quelque chose dans un paragraphe que je vais vous lire. Il est très explicite. « En ce triste carême de 1957, voici la situation en Kabylie. D'un côté, il y a les maquisards, de l'autre, l'armée. Entre les deux, la population qui reçoit les coups, comme un sac de sable entre deux boxeurs. L'armée rationne sévèrement, ratisse, saccage et tue. Les rebelles se font héberger, se font garder, rançonnent et tuent. Les hommes valides fuient, vont en prison, au maquis quand ils échappent à la mort. Restent pour le sac de sable les enfants, les femmes et les vieux. » C'est très explicite, c'est très clair. Alors, qu'en est-il en fait des enfants? C'est quoi la condition d'enfant dans une guerre? Mouloud Feraoun ne rate aucun jour dans sa chronique où il ne mentionne pas les enfants. Alors, les enfants sont des témoins muets. Ce sont des réceptacles de tous les traumatismes.
Ils regardent la guerre se faire, ils ne comprennent pas. Ils reçoivent les coups, tout comme leur maman, comme leur papa. Ils voient la mort, ils voient le sang couler. Ils voient, ils vivent la famine, parce qu'il y a eu des épisodes de famine. Puis ils vivent aussi les incessants déménagements. Certains d'entre eux se retrouvent dans les zones interdites qui furent vidées pour enlever le soutien logistique, vidé par l'armée coloniale pour enlever le soutien logistique au FLN. Ils se sont retrouvés dans des villages de regroupement. Un village de regroupement, c'est quoi? C'est une immense favela entourée de barbelés où les enfants et les femmes, et plutôt les enfants ne comprenaient pas ce qui se passait. Tout se passait à leur détriment. Et ça, c'est du côté, parfois, ils sont, si vous voulez, ils ont de la chance, ils sont pris par l'école. Dans certains villages de regroupement, les enfants sont pris obligatoirement et inscrits dans des écoles où les instituteurs sont souvent des militaires français qui déposent leurs fusils contre le tableau et qui donnent les cours dans une langue que ces enfants ne comprenaient pas tout le temps et qu'ils étaient obligés pourtant d'apprendre. Pour certains, ce fut une planche de salut. Pour d'autres, ce fut un naufrage. Donc, je note que Mouloud Feraoun précise dans un certain moment de son journal, il dit que c'est à quel âge on est enfant. Alors, le capitaine, il raconte qu'un capitaine convoquait toute la population de Fort National. Et il disait, le capitaine, dans son haut-parleur, quand on a 14 ans et plus, on est un homme. Voilà, donc durant la guerre d'Algérie, un homme, c'est celui qui a 14 ans et plus. Alors, où est l'enfance? Elle s'arrête, si l'enfance s'arrête à 14 ans, sachant toutes les conditions, tous les traumatismes, toutes les violences et tout le vécu de ces enfants qui étaient des observateurs très fins. Quand un enfant vit une scène de viol sur sa sœur, sur sa mère, ou bien vit le saccage de leur maison où les soldats rentrent, ils mélangent la soumoule, l'huile et le pétrole et tout ce qu'il y a à l'intérieur pour que la population soit affamée, ces gosses-là, ils vivent ça pour leur vie. Je témoigne, j'ai été enfant de la guerre, moi, je suis né en 53. Donc j'ai grandi dans la guerre, j'ai connu le village de regroupement, j'ai connu l'école coloniale, j'ai connu tous ces traumatismes-là. Je suis arrivé à un certain moment où, à plus de 60 ans, je me suis résolu à écrire ces événements-là comme une sorte de thérapie pour pouvoir m'en libérer. Et ce fut un peu le cas de tous les petits durant la guerre. Ça, c'est pour les enfants. Maintenant, pour les femmes, la femme Mouloud Feraoun explique progressivement comment la femme s'est substituée au rôle de l'homme. En Kabylie, tout comme dans les quartiers populaires d'Alger. Comment la femme a été amenée à prendre les charges de l'homme. Sachant que dans le système colonial, l'homme était déjà un être infériorisé, un être méprisé, humilié. Donc la femme s'est chargée de toutes ces humiliations. Tout ce que portait l'homme qui était absent, parce qu'il était au maquis, ou bien il était mort, ou bien il est parti en émigration, c'est la femme qui s'est substituée. Donc on retrouve la femme dans les tâches de l'homme, dans les champs. On retrouve la femme qui s'oppose aux soldats et qui subit, tout comme l'homme, subit la torture. Et pire que l'homme, elle est violée. Et Mouloud Feraoun ne se cache pas, il dénonce ce qu'il a appelé les villages bordels. Il raconte que dans certains villages de Kabylie, il y a eu, par exemple, dans un village, l'armée avait recensé 60 enfants sans père, illégitimes, ce qu'ils appelaient les bâtards.
Donc, ces viols étaient devenus quelque chose de courant. Et pour des Kabyles pour qui l'honneur résidait justement là, dans cette relation au sexe de la femme, il avait fallu faire un bond au niveau de la conscience très très fort pour trouver, pour banaliser ces viols et continuer le combat et ne pas succomber à cette humiliation-là. Et le rôle de la femme là a été extraordinaire. Comment les femmes ont sublimé cette situation, ont pu dépasser cette horreur et continuer le combat, se substituer à l'homme, remplacer l'homme dans tous les domaines et garder la société, garder un minimum vital pour la société, un minimum de tissage, un minimum de tissu social pour continuer à survivre, ne pas vivre. Et là, le rôle de la femme était extraordinaire. Et évidemment, au niveau de la ville, Pharaon parle de ces femmes du FLN qui posaient les bombes, ces femmes qui étaient engagées jusqu'au bout, au prix de leur vie, et raconte beaucoup, bon, même au niveau des villages de montagne, les femmes assassinées de part et d'autre, toutes ces femmes qui sont égorgées par le FLN parce que accusées d'avoir dénoncé un voisin ou avoir abrité un traître, Mouloud Pharaon se pose la question. Il dit qu'à un certain moment, la cruauté et l'horreur seront égales de part et d'autre et tout le monde sera taxé de traître. Et peut-être que tous ces traîtres-là vont s'unir et se soulever contre toute forme de violence. Évidemment, de la part d'un humaniste comme Mouloud Pharaon, on n'attendait pas mieux que ça. Mais le rôle de la femme, c'était donc progressivement prendre la place de l'homme de tout point de vue. Donc prendre, entre guillemets, ce rôle de chef de famille, mais aussi prendre les coups que prenait l'homme. Mais pire que ça, la cruauté et les humiliations subies par la femme étaient d'un autre ordre. Ces humiliations étaient dans sa chair, au plus intime de son âme et au niveau de son corps, elle était brimée, cassée, brisée. Et La guerre, c'est souvent je ne sais plus où j'ai lu que la femme était le territoire de la guerre, en fin de compte. Toutes les guerres se faisaient sur le corps de la femme. Et Mouloud Pharaon l'écrit si bien que parfois l'émotion nous envahit et on peut pas. Parfois, on arrête la lecture parce que c'est tellement cru, c'est tellement violent. Il trouve les mots justes. Et il, à partir de son école, parce qu'il était directeur du cours complémentaire Corps national, ce qui équivaut à un collège maintenant, donc il était directeur de collège, il observait donc à partir de son école et à partir de l'étude des élèves, des enfants qui rentraient à l'école et qui repartaient, il étudiait sa société, il étudiait tous ces traumatismes-là et l'exacerbation continue de cette rupture, et il arrive un moment où il explique et dans son journal sous forme de commentaire, parce que dans la seconde période où il était en ville, ce n'était quasiment plus un journal, c'était des chroniques un peu mensuelles, parfois sur 2 mois, il écrivait des textes assez longs où il y avait assez de commentaires et d'explications, et il expliquait que c'était terminé, que le divorce était entamé, qu'il n'y avait plus possibilité de vivre vivre ensemble, de cohabiter entre les Français installés, les colons et les Algériens. Donc le divorce était consommé et merci. Tout le monde avait payé sa part. Merci beaucoup Rachid. Alors Rachid, effectivement, hein, le journal de Mouloud Pharaon est un véritable témoignage, c'est un témoignage d'une situation telle qu'elle était, c'est-à-dire qu'après l'indépendance, on a eu une histoire
fabriqué une histoire, enfin, on a sélectionné en tous les cas les faits, alors que dans le journal, il parle de tout. Alors, Rachid, dans ton intervention, toi, tu mets l'accent sur ce que Mouloud Feraoun a écrit sur les exactions de l'armée, etc., donc le système colonial. Et moi, je vais lire un passage où il parle du FLN, parce que, comme je l'ai dit dans mon introduction, il était intransigeant et avec le système colonial et avec le FLN. Et voici ce qu'il écrit, page 93, 11 mars 1956. Il n'est pas possible de pardonner leurs erreurs aux maquisards, ni leurs injustices. Voilà 100 ans que nous subissons tout cela, que nous pâtissons des erreurs et des injustices. Alors, messieurs, pourquoi vous battez-vous? Si rien ne doit changer, épargnez les vies tout au moins et laissez-nous tranquilles. Que les soldats tuent des enfants, des femmes, des simples d'esprit, des innocents, ce n'est pas une nouveauté ni un scandale. Vous n'êtes pas des soldats français ou des gendarmes, vous. Vous ne vous croyez pas non plus des caïds ou des administrateurs. Vous n'avez pas le droit. Et si vous le prenez, ce droit, nous vous détesterons. Le jour où le pays vous craindra et vous détestera, vous ne serez plus rien. Des bandits, comme on vous appelle déjà, des criminels dignes du poteau. Et quand on vous exécutera, le pays poussera un soupir de soulagement. Et quand je disais tout à l'heure, le journal d'hier, enfin la situation d'hier, nous éclaire sur l'Algérie d'aujourd'hui, dans ce passage, on retrouve quand il dit « Lorsque le jour où le pays vous craindra, on parle du pouvoir actuel en fait, on vous détestera et vous ne serez plus rien. » Enfin, moi, ça me renvoie à la situation d'aujourd'hui et au Hirak, etc. Bon, merci Rachid. On va passer la parole maintenant à Jaoudet Gassouma. Donc Jaoudet va parler la dimension tragique dans l'écriture de Mouloud Feraoun. Alors, rapidement, Jaoudet, est-ce que tu peux juste nous donner une petite définition? Alors, moi, j'en ai, après, j'ai fait quelques recherches, mais définition du tragique. Alors, pourquoi? C'est vraiment par un souci sémantique, hein, de manière à faire en sorte que les internautes sachent de quoi on parle lorsqu'on parle du tragique, justement. Alors, qu'est-ce que le tragique, d'une manière très brève, hein, on va pas faire une détention. Par rapport à la terre et le sang, c'est vraiment pour moi l'expression ultime de ce qu'est la notion tragique chez Mouloud Feraoun. Parce que il inscrit un drame, il inscrit une intrigue dans un village qui ressemble à une montagne de Thessalie en Grèce. Et Mouloud Feraoun, victime et plutôt victime de malentendus où on a cru que il est victime de son image, à vrai dire. On a l'impression que c'est un instituteur gentil, adepte de la non-violence, alors qu'il a une écriture redoutablement puissante. Et les ingrédients du tragique sont présents. Il maîtrise à merveille les concepts de la tragédie grecque, où on a l'alliance de Eros et Thanatos. Donc l'esprit, si vous voulez, le dieu de la vie contre le dieu de la mort. Donc c'est toujours ce combat immémorial. Et Mouloud Feraoun va inscrire justement la notion de femme avec un moment qui est la vieille mère justement de Amr, qui est le héros principal, qui va venir de France se marier avec Marie,
qui est une des nièces d'un gars du village. Et il va donc redonner le statut de femme, pardon, de femme à un moment, en la réhabilitant au sein du village. Après, il y a toute une série de faits, de séries de situations qui vont faire que ce Hamel va tomber amoureux d'une femme du village qui est la femme de son cousin, qui va découvrir cette relation. Mais en même temps, c'est aussi un retour de Amr à des valeurs. C'est un peu Oedipe Roi ou l'enfant prodigue ou des choses comme ça, où ce Amr va tomber amoureux de cette fameuse Shabha. Et donc, il y a tout. Il y a l'amour, Eros, il y a la mort, Thanatos. Et au final, vous aurez le prix de la terre qui récupère, si vous voulez, cette notion de sacrifice suprême. Il va se passer quelque chose de tragique à la fin du roman. Et donc là, quand on termine ce roman, on est complètement époustouflé parce que on aura eu tous les drames, toute la notion de tragédie grecque, et la notion de tragique, elle existe aussi. Souvent, il est cynique, il n'est pas juste comme ça. Dans Fouroulou, le fils du pauvre, à un certain moment, le petit est dans un état lamentable et on lui dira, il faut toujours garder la formule, mon frère, que Dieu le garde. Donc, Mouloud Feraoun va inscrire tous ces éléments esthétiques, d'ailleurs, il a un sens de l'esthétique formidable dans la description des choses, dans la manière de monter le récit, la narration, qui vont vraiment nous emmener en immersion dans ces villages. Voilà, en gros, c'est comme ça. Alors, tu as cité quel roman déjà ? C'est pas les... La Terre et le Sang ? La Terre et le Sang. Oui. Alors, La Terre et le Sang. Alors, il y a une étude qui a été faite par Youssef Qadim, et c'est pas le roman, justement, c'est son travail, c'est son mémoire de magistère, il est sur Internet. Il a travaillé l'écriture du tragique dans les chemins qui montent. Et son mémoire, il l'a soutenu à l'université de Béjaïa et ça s'intitule « L'écriture du tragique donc dans les chemins qui montent » de Mouloud Feraoun. Et dans son analyse, il identifie deux types de tragiques. Alors, il dit en fait, d'abord, le tragique antique. Et je pense qu'on est dans la tragédie grecque. Ouais. Alors, dans le tragique antique, il dit « Les personnages sont régis par une fatalité tragique. » Ou bien par une transcendance divine qui les condamne à un destin tragique, c'est-à-dire la mort. Donc ça, c'est le tragique antique. Le deuxième type, c'est le tragique moderne. Et le tragique moderne, dans le tragique moderne, les personnages ont une identité divisée et ils vivent une crise identitaire aiguë et un déchirement entre deux mondes. Et, c'est l'expression, justement, dans La Terre et le Sang. Je pense que Amr va ramener une personne étrangère, il va réhabiliter sa mère, oui. Mais après il va revenir à ses valeurs ancestrales en tombant amoureux de Shabha. Donc là, il y a une réappropriation de l'identité malgré le risque de que tomber amoureux de la femme d'un autre est quand même. Voilà, donc nous avons effectivement, oui, nous avons le tragique. Et en fait, ce tragique moderne, donc qui consiste à avoir une identité divisée, un déchirement entre deux mondes, moi j'ai le sentiment que je l'ai retrouvé dans le journal, parce que Mouloud Feraoun, à un moment donné, est quelqu'un qui est déchiré entre les deux mondes. Bon, c'est à la fin qu'il dit, voilà, il s'en rend compte, il y a le divorce, etc. Alors,
Je continue avec Youssef Khadim, j'ai pris l'essentiel. Et donc, il définit l'écriture tragique comme celle qui présente des personnages, donc on a des personnages, qui jouissent d'une certaine grandeur, mais qui sont par ailleurs frappés par de grands malheurs et souffrent de conflits intérieurs graves et douloureux. Le tragique est donc cette situation de l'homme ligoté par des chaînes invisibles, on est un peu dans la fatalité, hein, le mektoub quoi, chaîne invisible, celle d'une fatalité qui lui dévoile toute sa faiblesse et son incapacité à maîtriser un destin qui lui réserve une mort certaine. Voilà, donc ça rejoint vraiment ce que tu as dit. Voilà, donc pour la dimension tragique, on va alors on va parler à présent, on revient au journal, et à toi la parole, Fares, et on aimerait bien avoir le regard d'un jeune Algérien, parce que tu es jeune, et voilà, donc sur Mouloud Feraoun, hein, qui est notre aïeul, en fait, et ton aïeul, et sur le journal et l'écho qu'il fait aujourd'hui à l'Algérie d'aujourd'hui. Voilà, Fares. Alors, personnellement, je trouve que le journal est resté très, très actuel. Il est très actuel parce que la situation d'équilibre que Feraoun essayer de supporter, de maintenir. Hein. Lui-même, il disait dans le journal « Je suis sur une corde bien raide ». Alors, cette situation d'équilibre et de mesure, c'est une attitude dont l'Algérie a besoin aujourd'hui. Parce que Feraoun dit le 17 août 1961, hein, il a rédigé la quasi-totalité du journal et il revient sur ce qu'il a écrit et il va dire « Mon Dieu, ô combien je suis cruel, ô combien j'étais méchant, ô combien j'étais coriace, ô combien j'étais direct. » Donc, il y a là un geste d'auto-réflexivité qui semble très intéressant. Donc, moi, je propose de lire le journal sous certaines thématiques. Alors, premièrement, on va trouver l'homme universaliste. Voilà. C'est-à-dire que c'est un homme sans haine. En dépit de la colonisation, en dépit des violences, en dépit des meurtres auxquels il témoigne chaque jour, c'est quelqu'un qui n'a pas une once de haine. Et il va dire, par exemple, sur la situation des pieds noirs, des Français d'Algérie, etc., on va trouver dans un fragment du 28 août 1961, il va rencontrer les étudiants chrétiens avec un certain dénommé Monsieur Gruel et il va dire « Mis à part les ultras, on est prêt à vivre avec eux, on va constituer l'Algérie avec eux, c'est dans l'ordre des choses. Hein. » Et ça, c'est en 1961. Quelques années auparavant, 1958, le 2 septembre 1958, il va dire bon, que De Gaulle dégage les ultras d'Algérie et nous, ce mélange de races, on va construire l'Algérie de demain. Donc ça, c'est vraiment pour l'homme universaliste. Et à propos du divorce avec la société coloniale, il va dire que il n'y a même pas de divorce. Les noces n'ont même pas eu lieu. Ils n'ont jamais eu lieu. Il va écrire ça. En novembre-décembre 1955. Voilà, donc ça c'est pour l'homme universaliste sans ressentiment. Il y a une deuxième thématique qui ressort du journal, c'est l'investigation journalistique. C'est quelqu'un qui va démonter systématiquement les infox et les fake news de la presse coloniale. Par exemple, le 2 mars 1962, Radio Luxembourg va annoncer qu'un certain monsieur Achard est condamné à mort pour avoir volé les fonds lors du putsch de 1962. Et Feraoun dit non, il est condamné à mort parce qu'il a tué de ses propres mains des centaines de Kabyles.
Donc là, on a vraiment un travail d'investigation et de démascation de la propagande journalistique. Le 31 mars 1956, il va décrire la torture qui se passe dans les locaux de Fort National. Et il va dire la torture à la baignoire, la torture à la corde, la torture à l'électricité, la torture à la bouteille. Donc là, c'est vraiment atroce. Le 26 avril 1956, il va rapporter cela à un témoin qu'un homme s'est suicidé après que les gendarmes ont violé devant lui sa femme, sa fille, sa belle-sœur. Donc là, c'est des informations qu'on va trouver nulle part, hein, même dans les archives, même dans bon, il y a des ouvrages d'historiens, bien évidemment, spécialisés pour la torture, etc. Mais là, c'est des détails donnés sur le tas que s'il n'y avait pas peut-être le témoignage de Feraoun, ça aurait été perdu dans les couches obscures de l'histoire. Et puis, troisième thématique, on a l'homme extrêmement lucide qui, malgré la cruauté du système colonial, ne va pas ménager le FLN. C'est-à-dire qu'il va dire qu'on a besoin effectivement de l'indépendance, mais pas n'importe quelle indépendance. Tout à l'heure, Nadia l'a bien cité un passage sur celui de la haine, c'est-à-dire que quand le peuple va vous détester, c'est fini pour vous, votre révolution ne tient pas le coup. Alors, le 24 janvier 1957, un certain Reski est tué à tort en Kabylie. Donc, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire que l'intransigeance patriotique ne peut pas aller au détriment de la justice, de la curiosité et de l'esprit de distinction. C'est-à-dire que l'idée commune que toutes les victimes ont tort et que ceux qui tuent ont raison, Feraoun va nommer ça une lâcheté collective. Et il va dire « Non, moi, je ne supporte pas ça. » Et il va dire la même chose le 13 novembre 1957. Apparemment, c'est un cousin à lui qui s'appelle Mokrane qui est tué en France par le FLN. Hein, Mokrane était MNA. Et Feraoun va donner la réflexion suivante. Le peuple algérien, indigène, hier humilié, aujourd'hui torturé et traqué, ira tout droit vers l'esclavage, le pire esclavage, celui qu'il n'a jamais connu. Malheur au bourreau du peuple. Hein. Donc là, on a vraiment la position d'une personne vraiment mesurée. Et concernant la violence, le 14 mars 1956, c'est page 137 dans le journal, il y a un élève à lui qui se présente devant l'école, il a plus de 14 ans, et va lui dire « Je veux prendre les maquis ». Et donc Feraoun est absolument consterné par cette nouvelle. Il est bien évidemment contre et lui conseille de faire autre chose. Après, il va écrire cela. « Mais j'ai horreur de ceux qui tuent, non parce qu'ils peuvent me tuer, mais parce qu'ils ont le courage de tuer. Ensuite, de part et d'autre, on légitime le crime, on l'explique. Il devient nécessaire un acte de foi, une bonne action. » Et ça en dit long sur ce qui s'est passé pendant la guerre de libération, ou bien même ce qui s'est passé en Algérie après l'indépendance et pendant la guerre civile, hein, c'est-à-dire pendant la décennie noire. C'est un passage qui est vraiment d'actualité. Hein, dans les années 90, on tuait parce que c'était un acte de foi, parce que c'était bien. Et donc voilà. Donc là, c'est le positionnement de Feraoun à propos de la violence qu'on peut résumer de la manière suivante. Oui, la violence est nécessaire, mais pas au détriment de la justice. Ça, c'est vraiment
la leçon de Ferraoun. Et la quatrième thématique, c'est à propos de la montée de l'intégrisme religieux. Hein. Et à propos de l'intégrisme religieux, il va noter à plusieurs reprises, par exemple dans le fragment du 8 janvier 1956, il va dire, mais vraiment, leurs interdits, c'est le terrorisme. Hein. Ils interdisent tout, les jeux, ils interdisent aux femmes d'aller au tobib, d'aller à la pharmacie, etc., etc. Donc là, il y a vraiment une certaine lucidité, une certaine leçon d'humilité qui consiste à dire, en dépit du fait qu'on est violenté, qu'on est victime, mais tout n'est pas permis. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'actualité du journal de Pharaon, c'est-à-dire l'universalisme, la quête de la vérité, l'humilité et une incitation à ne pas commettre d'excès dans tous les plans. Voilà. Fares, moi je voudrais poser une question à nos invités. Je ne sais pas, Jaoudet, voilà, c'est au sujet du journal en fait. Votre point de vue sur la dimension contemporaine, la dimension actuelle, ou l'écho que le journal justement fait à l'actualité à l'actualité de l'Algérie d'aujourd'hui justement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous, vous avez des choses à dire là-dessus parce que... D'abord, le journal, c'est un aboutissement. C'est une déconstruction et une reconstruction à travers le passage du fragment à l'écriture de pages imprimées. Et techniquement parlant, c'est ça. Mais en même temps, moi je pense que le journal est un aboutissement. C'est un aboutissement avec, encore une fois, toutes ces valeurs de la tradition, ces valeurs de la reconstitution du constat de la condition des femmes, c'est l'évocation de la destinée, de la grande destinée, c'est une incursion esthétique dans les traditions, dans les tabous, dans les dits, dans les non-dits, où Mouloud Ferhoun a été fondamentalement redoutable. Et donc, je pense qu'avec le journal, c'est un texte fondateur, finalement, qui reste d'actualité, puisqu'on va retrouver tous les ingrédients, tous les éléments, justement, de la tragédie, de la notion de destinée, de la condition, toutes ces choses-là qui font que l'univers de Mouloud Ferhoun est un univers fondateur de l'humanisme à travers le journal, ou à travers les chemins qui montent, ou à travers son jour de Kabylie, toutes ces choses-là, où nous avons affaire à un écrivain qui est fondamental dans le corpus de la littérature algérienne. Et qui reste fondamentalement, évidemment, d'actualité. C'est clair. Rachid. Micro, Rachid. Micro. Rachid, on ne t'entend pas. Micro. Non, Rachid, il n'entend pas là. Là. Voilà. Ok, très bien. C'est vrai que Rachid, il est dans une situation, c'est particulier, il est dans l'obscurité là. C'est. moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a pas de public. Alors, on me dit que c'est le contexte, mais je ne sais pas. Est-ce que tout le monde est malade du corona?
J'espère que non, quand même. Ouais, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de... Ouais, je n'ai pas vu passer de commentaires. Il y en a eu deux, je crois. Pas beaucoup. Et j'ai l'impression, alors, bizarrement... D'accord. Mais je ne sais pas, Farès, si tu es d'accord, mais j'ai l'impression qu'on a eu la même histoire qu'avec Camus. Alors, c'est très simple. Hein. C'est très simple parce que cette question, c'est tout à fait normal. Parce que le problème en Algérie, c'est qu'on a construit notre pensée, c'est-à-dire la pensée dominante sur pour ou contre la colonisation. Hein. Et cette dichotomie-là, ce manichéisme quasi religieux, est extrêmement mauvais pour la lecture des œuvres littéraires. Premièrement, parce que Feraoun n'est pas lu. Hein. Comme Camus, comme Kateb Yassine, on cite leurs noms, mais ils ne sont pas lus. Alors, celui qui va s'exercer à lire rien que le journal, il va trouver, par exemple, que Feraoun, le 22 décembre 1958, contre le Quai d'Orsay, en la participation de De Gaulle, André Malraux, Germain Tillon et une nièce à De Gaulle, lui propose d'intégrer le Quai d'Orsay pour représenter la France dans le monde entier. Il refuse et il dit que je préfère vivre le malheur de mon peuple. Hein. Ça, c'est pas magique, il faudrait lire le journal. Sur l'anticolonialisme de Feraoun, mais bien évidemment qu'il était anticolonialiste. Parce que rien que ces personnages, parce que par exemple le fils du pauvre, qu'est-ce que le fils du pauvre, sinon le témoignage d'une personne totalement démunie qui a eu la chance d'accéder au savoir et de peindre ce que sont les déboires de la colonisation. Parce que l'acte d'écrire est déjà une résistance. Et puis, on a la terre et le sang qui est le déchirement, on a les chemins qui montent, et on a aussi le dernier roman achevé, parce que le dernier roman qui s'appelle L'anniversaire ou La cité de Rose a été achevé en une première version en 1959, je pense, et le manuscrit a été envoyé au Seuil, et le Seuil a jugé l'ouvrage très polémique et très anticolonialiste, et il a renoncé à le publier. Ça, c'est en 1959. Et les éditions Gallimard ont aussi refusé d'éditer et de publier La Cité des Roses ou bien L'Anniversaire parce qu'ils jugeaient le roman anticolonialiste. Et c'est à partir de ce moment-là que Feraoun s'est remis à réécrire L'Anniversaire ou bien La Cité des Roses et dont il ne subsiste que les quatre premiers chapitres parce que le premier manuscrit de son dernier roman a été perdu. Mais et on peut trouver ça dans la biographie de José Lonzini, il explique très bien que le roman n'a pas été publié parce qu'il était anticolonialiste. Et il ne faut pas oublier que Feraoun était suivi par les services français et par le FLN. Donc il était espionné des deux côtés et chaque côté le soupçonnait de trahison. Donc, c'était vraiment quelqu'un de déchiré. Et même dans le journal, par exemple, si vous lisez attentivement, on peut remarquer qu'il ne cite pas les noms. Les noms, il met vraiment des lettres. Première lettre, deuxième lettre. Et il n'en dit rien sur... il ne dit pas, c'est-à-dire sa proximité avec les résistants, etc., etc. Mais c'est vraiment un anticolonialiste, hein. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ça, c'est la, il faut le dire, hein. Je ne dis pas ça pour polémiquer ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment la médiocrité des hommes politiques algériens, de certains universitaires algériens qui au lieu d'éveiller la conscience des gens et inviter les étudiants et les élèves à lire et à rechercher la vérité, eux, ils énoncent des certitudes, Feraoun pro-colonialiste, ces personnages prônent l'assimilation, etc. Non, ce n'est pas quelqu'un qui prône l'assimilation, c'est quelqu'un qui prône la culture. Et lui, fils de pauvre, c'est par la culture et par l'école qu'il a pu devenir l'homme qu'il est. Hein. C'est comme Camus. Hein. Moi, quand j'ai lu le journal,
c'est vraiment des itinéraires qui se ressemblent, sauf que l'un est fils de Belcourt et l'autre est fils de la montagne Kabyle. Hein, c'est... Mais voilà, moi je dis à ceux qui disent que Feraoun était pro-colonialiste, moi je leur dis lisez Feraoun, c'est tout. Lisez Feraoun. Voilà. Rachid, ça va ? La connexion, elle est bonne, Rachid ? Le micro, Rachid, le micro. Voilà, merci. Je me suis... Juste un petit mot. Je me suis connecté avec le portable, le téléphone. Oh, okay. Un petit mot, Rachid, et après, oui. Un petit mot. Oui. Et donc, Rachid, la question, c'était effectivement la dimension contemporaine du journal. Voilà, quel écho ce journal fait à ce que nous vivons aujourd'hui en Algérie ou ce qu'est aujourd'hui l'Algérie. Ah oui, oui rapidement. Oui, quand on lit profondément le journal, on ne s'arrête pas uniquement aux faits. On comprend le militantisme de Feraoun pour la diversité, pour la pluralité, pour la cohabitation de toutes les cultures, ce qui n'est pas évident aujourd'hui en Algérie. C'est très très clair, le règne de la pensée unique, de la religion unique, de la langue unique, de la vision unique. Et Feraoun le dénonce au quotidien dans son journal. Et il explique aux gens du FLN, il leur dit « Malheur à vous si vous ne faites que vous substituer à l'ordre jacobin colonialiste ». Et c'est d'une très grande clarté. Et il dit « Maintenant que vous êtes le dépositaire de tous nos espoirs, de toutes nos illusions, toutes nos espérances et tous nos élans vers la liberté, gare à vous si vous en faites un fonds de commerce. » Et là, il a été d'une prodigieuse clarté, c'est que ceux qui disent, comme vient de l'expliquer notre ami, que Feraoun était pro-français ou pro-colonial, sont quasiment des incultes, en fait. C'est des gens qui n'ont pas compris le rôle de la culture et qui ne comprennent pas. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les bases de l'humanisme. Ils ne savent pas ce qu'est la diversité, comment vivre avec les autres. Et Feraoun l'expliquait très, très bien. En dehors des ultras de l'OAS qui ont fini par l'assassiner, il expliquait comment notre société était une mosaïque. Non seulement historiquement et culturellement, et qu'il fallait s'en tenir, et c'était à partir de cette richesse-là qu'il fallait rebondir, et que condamner le système colonial ne suffisait pas, le déconstruire par la culture, oui, c'était l'objet de Feraoun, et moi je pense que c'était pour ça qu'il avait été assassiné. Merci, merci. Je vais lire un passage qui met en lumière un questionnement identitaire de Mouloud Feraoun. Alors, page 70, toujours le journal. Hein. 1er février 1956. Quand je dis que je suis français, je me donne une étiquette que tous les Français me refusent. Je m'exprime en français, j'ai été formée à l'école française, j'en connais autant qu'un français moyen. Mais que suis-je, bon Dieu ? Se peut-il que tant qu'il existe des étiquettes, je n'ai pas la mienne ? Quelle est la mienne ? Qu'on me dise ce que je suis. Ah oui ! On voudrait peut-être que je fasse semblant d'en avoir une parce qu'on fait semblant de le croire. Non, ce n'est pas suffisant. Voilà, donc un questionnement éminemment identitaire. Et moi, la lecture du journal, hein, je vais un peu conclure avec ça,
à la lecture du journal au fur et à mesure, je l'ai lu et je l'ai relu, j'ai rencontré en fait un Mouloud Feraoun avec ses forces, ses atouts, ses faiblesses, ses fragilités, ses contradictions, ses doutes, sa lucidité et surtout son intelligence. Et en fait, en lisant le journal, on se rend compte qu'on a affaire à un homme qui est profondément attachant et vraiment on s'attache à Mouloud Feraoun. Et en plus du personnage, son contenu fait vraiment écho aujourd'hui. Son contenu nous permet de comprendre l'Algérie d'aujourd'hui. Et c'est un témoignage cru et sincère. Voilà, donc je recommande à tout le monde de lire et même de relire le journal de Mouloud Feraoun. Peut-être un dernier mot, je vais faire un petit tour avant de faire le flash info. Jaoudette, tu veux rajouter quelque chose très brièvement ? Lire, on doit absolument lire Mouloud Feraoun. On doit absolument le lire avec un regard éclairé, avec une appréciation de son esthétique, de sa force justement, toutes ces choses-là, parce que c'est réellement un grand écrivain qui a bien su résumer le monde, qui a bien su parler du colonialisme, de la condition des femmes, du poids des traditions, de la modernité, de cette quête de la destinée. Et donc voilà, donc je maintiens qu'il faut lire Les Chemins qui montent, il faut lire Le Fils du pauvre, il faut lire Jour de Kabylie, La Terre et le Sang, et aussi en aboutissement le journal. Le journal, c'est vraiment un aboutissement, donc voilà, donc à lire à tout prix. Voilà. Alors, merci Jaoudette. Il faut lire effectivement Mouloud Feraoun, mais il faut aussi lire les écrits qu'il y a eu sur les œuvres de Mouloud Feraoun. Sur Internet, il y a pas mal d'écrits, et notamment ce travail de Youssef Radim qui est disponible et du coup il se lit facilement. Alors il y a une question, j'ai vu une question passer sur comparativement à d'autres écrivains, est-il suffisamment présent dans les manuels scolaires en Algérie? Alors je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Je sais que je l'ai étudié au début, je l'ai découvert sur les manuels scolaires. Moi aussi. Fouroulou, et je me rappelle toujours de cette phrase, me rappelle comme si cela datait d'hier. Voilà, quelque chose comme ça. Cette phrase, elle est, voilà. Mais, et d'ailleurs, la question qui se pose, c'est la Bahmoula qui pose la question, est-ce que les auteurs algériens sont présents dans les manuels scolaires en Algérie? Je ne sais pas. Suffisamment, je ne sais pas, Kateb Yassine, Boudjedra, Assia Djebar, est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'on les étudie? Peut-être à l'université, mais dans les lycées, les collèges, je ne sais pas, ça m'étonnerait. Rachid, un dernier mot peut-être par rapport à Mouloud Feraoun? Oui, j'aimerais relever une dimension qui passe souvent par rapport à Mouloud Feraoun. Mouloud Feraoun a beaucoup travaillé sur le patrimoine immatériel. Mmh. Il a notamment fait un beau travail sur le poète Si Mohamed Oumhend. Il a fait énormément d'écrits dans des revues sur les mœurs en Kabylie, sur la vie et la position de la femme, son rôle et toutes les humiliations qu'elle subit. Il a écrit énormément de petits articles, un peu comme ça dans les revues. Donc, son œuvre est vraiment diversifiée. Mais je note une chose, c'est son universalisme. C'est quelqu'un de formidable pour son époque et pour avoir cette vision-là. Et quand on relit, comme le disent nos amis, quand on relit le journal, nous avons affaire à quelqu'un d'extrêmement intelligent
et qui dit et qui tire la sonnette d'alarme, notamment par rapport aux libérateurs du FLN. Il leur dit, si vous ne faites que vouloir vous substituer aux colonisateurs, vous aurez échoué dans votre tentative. Vous aurez fait la guerre, mais jamais la révolution. On en est là. Ah oui, absolument. On en est là. Alors, tout à l'heure, j'ai vu une remarque passer en disant, alors je résume, hein, disant qu'il n'y a pas d'école qui porte le nom de Mouloud Feraoun en Algérie. Alors moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une école? Est-ce qu'il y a un établissement? Il y a un collège à Aqbou où j'étais directeur, c'est le collège Mouloud Feraoun. Aqbou, dans la vallée de la Souma, Wilaya de Béjaïa. Et il existe toujours, c'est le collège Mouloud Feraoun. Voilà. D'accord. Donc, alors la question, enfin la remarque dit aucun, surtout dans sa région natale, mais bon, il y a quand même à Aqbou, peut-être pas dans sa. Mais ça, c'est aussi. C'est à côté, oui. Non, mais c'est pas ça. C'est aux gens du village, peut-être, de s'organiser, de le demander, mais s'ils ne le demandent pas, effectivement. Fares. On va boucler avec Fares pour Mouloud Feraoun. Alors, juste encore pour pointer l'universalisme de Feraoun, si vous me permettez de lire un passage. Parce que sur la question de la substitution aux colons et ceux qui traitent Feraoun de pro-colonial, déjà, Feraoun tenait envers l'intégrisme du FLN les mêmes propos qu'a écrit Albert Mimi dans le portrait du décolonisé. Donc moi, je recommande à nos auditeurs de lire le portrait du décolonisé d'Albert Mimi qui corrobore aux idées de Feraoun, hein, c'est vraiment. Et d'ailleurs, Albert Mimi a rendu un excellent hommage lors de sa mort au Figaro. Voilà. Et donc là, je vais vous lire un passage du 20 septembre 1958. Et là, il faut vraiment saisir la profondeur de son humanisme et de son universalisme. Pourquoi? C'est pour aujourd'hui, parce que dans l'Algérie de 2021, des gens nous disent encore, pour être algérien, il faut être musulman, il faut être arabe, il faut ressembler à l'Arabie saoudite, etc. Donc ce passage devrait éclaircir le véritable humanisme et l'anticolonialisme de Feraoun. Donc c'est page 391 dans la collection Poche. S'ils s'en trouvaient des sincères, il y en aurait beaucoup. Sans aucun doute, qu'à cela ne tienne, ils suivraient les ultras et iraient se fixer en France. L'accueil qu'elle accorde à ses enfants, elle ne leur refuserait pas, je pense. Peut-être alors, ces milliers et ces milliers de liens créés depuis un siècle entre les individus de chaque race joueraient pour les collectivités. Les deuils seraient oubliés et les rancunes et les haines et le vrai rapprochement se ferait entre les deux peuples qu'elles l'ont passé à intimement mêlés. La sagesse refusera l'intégration comme on refuse une duperie. La sagesse accordera l'indépendance pour confondre toutes les folies, réparer toutes les erreurs, faire oublier tous les crimes. De Gaulle est un sage, ça je le crois. Voilà, ça c'est la conclusion. Vous n'entendez pas. Oui. Donc, avant de nous quitter, il nous avait semblé important et urgent de consacrer un flash info spécial à la situation pandémique en Algérie. Alors, comme nous le savons, depuis quelques semaines, l'Algérie vit une situation sanitaire inquiétante. Alors, le nombre de contaminations ne cesse de s'accroître et selon, je vais vous donner des chiffres, selon le professeur Reda Djidjik, qui est chef de service d'immunologie à l'hôpital de Beni Messous, le nombre de contaminations a atteint entre 25 000 et 30 000 contaminations quotidiennes. Donc, j'ai pris cette information du journal électronique Slate. Voilà, et donc face à cette situation sanitaire sans précédent, comment les Algériens s'organisent-ils, comment les Algériens s'organisent-ils en Algérie et
En France, la diaspora, comment elle s'organise. Et du coup, on a avec nous deux invités. En principe, il y en a un troisième. J'espère qu'il va se... parce qu'il a des informations intéressantes. Il était en réunion à la Wilaya tout à l'heure de Béjaïa. Il a des informations, il a des nouvelles. Et du coup, on a Yahya Waret, qui est... Alors, Yahya, il est chargé de communication... sur la page Facebook Béjaïa soit l'observateur, et donc il est en direct de Béjaïa. Et nous avons avec nous également Reza Guémar, qui est déjà passé avec nous une émission très intéressante sur la constitution, sur un projet de constitution. Et Reza Guémar, il est donc avec nous de Paris et il est président du réseau Algérien sans frontières. Alors il est 10h30 en principe, il devait, bon. Allez, on va, si Farid nous rejoint, c'est bon, sinon, voilà. Donc, Dani, très rapidement, Yahya, très rapidement, comment j'ai pris, alors, excusez-moi, Dani, parce que j'ai pris le nom sur Facebook, Dani, c'est Yahya, en fait. Donc, très rapidement, quels sont les besoins de la population à Béjaïa, mais je pense que vous avez aussi un écho de ce qui se passe ailleurs. Et comment est-ce que vous vous organisez pour trouver des solutions ? Alors, bonsoir à toutes et à tous d'abord. Je tiens à vous remercier, Madame Aksous, pour l'invitation. Puis après, pour ce qui est de la situation à Béjaïa et en Algérie en général, la situation... elle est alarmante. Il y a une crise. Il y a une crise sanitaire qui se ressent et qui se ressent d'une manière très très importante. Par rapport à Béjaïa particulièrement, il y a plein de cas de Covid. Les hôpitaux n'en peuvent plus. La capacité en matière de lits, elle est insuffisante. Et il y a le manque accru qui est, je pense, que tout le monde sait, et c'est celui du manque d'oxygène. C'est un problème national. Et malheureusement, l'État dedans, il est presque absent, et je pense qu'il nous a habitués à cette absence. Donc, à partir de là, les citoyens, heureusement que le peuple est là. Il se prend en charge, il essaye de se prendre en charge. En fait, c'est du peuple au peuple. Il s'organise de manière à ce qu'il s'approvisionne de l'oxygène, il se débrouille. Il y a eu plein de collectes qui se sont faites. Il y a eu des cagnottes qui se sont lancées. Et il y a eu même des opérateurs économiques qui se sont manifestés dernièrement. Et là, je cite le cas de Béjaïa. Par exemple, nous, ici à Béjaïa, quand on a vu qu'il y avait ce problème d'oxygène, avec la page Béjaïa soit l'observateur, nous avons décidé de lancer, enfin, après l'acquisition de la station de production d'oxygène à Akbou par des opérateurs économiques, on s'est dit pourquoi pas faire un petit la même chose, d'autant plus que le CHU de Béjaïa, le principal, souffre énormément. Imaginez un peu un CHU de toute une wilaya qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins en matière d'oxygène. Donc on s'est dit, on lance une cagnotte précipitamment, donc d'une manière très spontanée. On va essayer de collecter de l'argent pour nous procurer une station également de production d'oxygène. Et du coup, nous avons lancé une cagnotte destinée à notre diaspora, à l'étranger. Et avec bien sûr la collaboration d'une association, parce qu'il faudrait bien qu'il y ait un cadre réglementé et réglementaire à la chose. C'est l'association Les Mêmes Blanches avec laquelle nous collaborons pour cette quête. Et après avoir lancé tout ça, et il y a eu quand même un succès, Dieu merci. Il y a eu plein de personnes qui se sont qui ont partagé l'appel, qui ont cotisé. Là, pour l'instant, nous sommes presque arrivés à 50 000 euros, plus ce qu'on a ramassé aujourd'hui. Bref, c'est pour vous dire quand même, il y a un élan de solidarité très important de ce côté-là. Nous sommes en train de publier tous les chiffres concernant ces collectes. Et
Par contre, il y a eu aujourd'hui, par exemple, une bonne nouvelle à Béjaïa. Il y a eu des opérateurs économiques qui se sont regroupés pour acheter, pour doter le CHU de Béjaïa, Khalil Amran, avec d'autres hôpitaux, peut-être Amézour, Sidi Aïch, voire Khairata ou Aoukas. Donc, ils seront dotés de leur propre centrale de production d'oxygène et qui vont arriver dans, j'espère, dans une semaine, voire 10 jours, parce que c'est une opération d'importation, puisqu'ici en Algérie, malheureusement, elle n'existe pas. Donc, à partir de là, nous, puisque nous avions lancé, enfin, au départ, cette action pour l'acquisition de cette centrale, pour le CHU de Béjaïa. Là, enfin, là, il y a les opérateurs qui se sont directement engagés à les acheter. Donc, nous allons consacrer cet argent-là pour l'achat d'autres matériels médicaux, parce que aujourd'hui, il n'y a pas que l'oxygène qui manque. Il y a il y a les masques qui manquent, il y a plein de choses qui manquent, il y a les surblouses qui manquent, les masques à oxygène. Donc, il y a en tout cas une panoplie de choses qui doivent être achetées et c'est ce qu'on essayera de faire. Et il y a même la question des concentrateurs, enfin les extracteurs d'oxygène. Donc, voilà pour notre opération, enfin l'opération que nous avions lancée. Nous avions été aussi contactés par plusieurs associations sur le territoire national, soit à Bel Abbès, soit à Tnia, sur Alger, à Al-Borj. Donc c'est tout le monde qui cherche en fait. Il y a eu plusieurs collectes qui se sont créées un peu partout dans le territoire national, pour en fait acheter et doter leurs propres hôpitaux de ces centrales à oxygène. Parce qu'aujourd'hui, les extracteurs, il n'y en a pas. Il y a vraiment une rupture de stock. Donc, on attend presque les importations. Hein. Il y a des gens qui ont fait des commandes et ça va arriver à partir. Faut voir, enfin, faut viser à partir du début de la semaine prochaine, à partir de dimanche, que les premiers convois vont arriver en matière d'extracteurs à partir, j'espère que d'ici là, nous n'allons pas perdre beaucoup de vies. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Après, si vous avez d'autres questions plus pointues, je suis Enfin, pointu, je ne sais pas, mais là. effectivement, parce que moi, je suis beaucoup, je suis très informée par ce qui se passe à Béjaïa, puisque c'est ma ville natale et c'est là-bas que j'ai mes liens, en fait. Et donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter des concentrateurs d'oxygène, mais qui n'en trouvent pas. Enfin, moi, je ne sais pas à qui j'ai dit j'ai rupture de stock. On m'a dit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc on ne peut pas parler de rupture de stock. Effectivement. Donc, il y a beaucoup de volonté. Hein, il y a beaucoup de volonté. Et on me raconte un peu comment il se passe. Alors, il y a quelqu'un qui a un extracteur de 5 litres, il le passe à X. Après, voilà. Donc, il y a toute cette solidarité, ce partage. Et donc, vous dites, vous, que les extracteurs vont arriver, en fait. Ah oui. Déjà là, il y a le Cévital aussi qui a fait une grosse commande quand même, je pense, de 4 000 extracteurs, mais qui ne seront pas là d'ici tôt. Hein. C'est des commandes qui vont arriver. Il faut voir. Enfin, faut compter à partir de la semaine prochaine, à partir de dimanche. Et même les opérateurs de la région d'Akbou aussi, ils ont fait une commande de plus de 1 000 extracteurs. Donc tout ça va arriver, mais il y a une question de temps, puisque c'est des opérations d'importation. Voilà. Yahya, juste Oui. deux petites choses. Est-ce que tu sais comment ça se passe parce que moi je ne voudrais pas me limiter qu'à Béjaïa, mais je t'avais demandé si tu pouvais nous donner quelques informations de ce qui se passe ailleurs, en fait, dans d'autres villes. Est-ce que, voilà. Par rapport à la Est-ce que... situation ou Ah par oui, rapport bien sûr. à... Comment ils s'organisent, en fait? Au fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme quoi c'est un petit peu la même chose. C'est les mêmes associations qui essayent d'activer pour faire une collecte d'argent devant l'absence des autorités qui sont toujours dans le discours, on va faire une assemblée extraordinaire, on va voter des budgets, on va faire tout.
Et au fait, l'urgence, elle dicte, elle nous dit des actes vraiment urgents. On n'a pas à attendre qu'on fasse une réunion ou voter des budgets. Ce n'est pas le moment. C'est pour cela que le peuple, il est là à s'entraider, à créer cet élan de solidarité entre eux, hein. Voilà. Alors, Farid Zerwal n'est pas là de Berber TV, il a peut-être eu un problème pour se connecter, mais en tous les cas, il sortait de la wilaya et je pense que la PWI, c'est ça. Oui. À C'est la tous paix, oui. c'est ça, c'est ça. Il y a, ils ont dégagé une certaine somme, alors je me souviens plus de combien. Alors, juste deux petites choses, moi. La vaccination, elle est en train de s'accélérer ou comment ça se passe? Parce qu'on ne sait pas trop. Sincèrement, le rythme de la vaccination, il a connu quand même un bon rythme. Enfin, ça a connu un meilleur rythme par rapport aux jours passés. Les gens sont beaucoup plus. Ça leur dit plus maintenant de se faire vacciner qu'avant, hein. Là, parce qu'ils ont senti comme quoi c'était une des solutions pour se protéger. Donc là, il y a quand même un engouement assez, disons, assez important par rapport à avant. Mais par contre, question organisation et logistique et tout ça reste vraiment, ça laisse à désirer. Je ne vous raconte pas. On fait entasser les gens dans les polycliniques, dans des espaces qui ne sont pas adéquats. Donc, c'est à l'algérienne, malheureusement. Mais quand même, les gens sont plus conscients. Ils voudraient bien se faire vacciner aujourd'hui. Alors, une dernière chose, Yahya. Donc, Oui. on a parlé de vaccination, mais on est dans la réparation, on est dans le curatif. Et qu'en est-il de la sensibilisation pour faire de la prévention? Parce que moi, j'ai l'impression que je vois des fêtes, tout le monde va à la fête, aux enterrements, et c'est vraiment là qu'on crée des clusters. Et j'ai l'impression que les gens ne portent pas j'allais dire le voile, ne portent pas le masque et ils se désinfectent pas aussi les mains. Et ça, c'est très, très important. Et est-ce que vous avez pensé à faire des campagnes de sensibilisation? Parce que c'est très important. Bon, je pense que nous ne sommes plus dans cette étape de sensibilisation parce que nous l'avions dépassée. On est plus dans l'étape où il faut tirer la sonnette d'alarme et dire et leur dire la vérité telle qu'elle est, comme quoi ce variant, il est là, il est en train de faire des ravages. Donc, soit vous avez ces solutions, enfin, vous allez vous confiner et vous faire protéger en adoptant des gestes barrières et j'en passe. Soit vous encourez le risque de le choper et de vous retrouver par malheur dans l'une des structures sanitaires ici en Algérie et par manque d'oxygène, vous pouvez mourir. Mais je pense que cela fait depuis qu'ils ont mis ce couvre-feu à 20 heures et ils étaient, enfin, ils sont un peu plus sévères. Les gens, ils sont vraiment plus conscients. Ils ont peur. Ils ont peur. Au fait, il y a un climat de peur qui s'est installé. Ici, surtout, enfin, je parle ici à Béjaïa, il y a vraiment un climat de peur. Il y a beaucoup de décès. On entend parler de beaucoup de décès dans les familles. En plus, ça touche les jeunes, les moins jeunes, les adultes. Donc, ça touche toutes les catégories d'âge, hein. Il faut voir. Donc, c'est pour cela que les gens sont un peu plus conscients. Quand même, ils portent des masques dehors. Il y a des gens, ils portent des masques. Ils essayent de prendre la distance. Disons que ils sont beaucoup plus conscients. Voilà. Merci, Yahya. Alors, Reza Guémard, alors, comment est-ce que tu peux nous dire comment la diaspora s'organise à Paris? Et est-ce que tu peux nous parler de quelques initiatives qui existent et surtout comment, si une personne veut faire un don ou veut aider, comment elle peut faire et où l'orienter? À toi la parole, micro. Micro, micro. Voilà. C'est bon comme ça? D'accord. Tu peux parler. Vas-y, Okay. demande D'accord. l'autorisation. Bonsoir.
Bonsoir Nadia, bonsoir tout le monde, bonsoir à vos auditeurs, auditrices qui sont partout en Algérie, un peu partout dans le monde. Le hasard fait bien les choses. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Je suis un cousin de Mouloud Feraoun. J'ai un lien de parenté avec Mouloud Feraoun. Je suis Tizi Ibel. Donc, le village qui, à la sortie de Teolit Moussa, donc le fameux village de Matoblounes, et ça m'a fait vraiment chaud au cœur d'assister à votre émission. Bien sûr, j'ai lu Les chemins qui montent, La terre et le sang. C'est un grand monsieur à qui on rend pas un hommage ou la valeur qu'il mérite comme écrivain et comme tout ce qu'il a fait. Malheureusement, il a été assassiné le 15 mars 1962, juste avant le cessez-le-feu. Et ça a été un drame. Voilà. Alors, Reza, juste avant que tu finisses par rapport à ça. Donc, on compte sur toi pour lancer l'idée de nommer un établissement, une école ou plusieurs au nom de Mouloud Feraoun. Je te suivrai et on verra ce que tu vas faire. Vas-y, Reza. Et j'ai la chance aussi d'avoir une maman qui est du côté d'Akbou. Donc, je suis concerné par la haute Kabylie et la basse Kabylie. Donc, c'est génial. Et un des opérateurs qui a lancé l'unité de production d'oxygène à Akbou est le cousin de mon grand-père. Donc, voilà, c'est génial. Sinon, moi, j'ai des nouvelles toutes fraîches. Je sais que la situation, elle est dramatique. C'est plus qu'une crise. S'il y a un mot plus puissant que la crise, on l'aurait utilisé. Bien sûr, on a perdu tous des êtres chers. Moi, j'ai perdu il y a une semaine mon meilleur ami, donc en 3-4 jours. Dans la famille, il y a des personnes qui sont hospitalisées. Bien sûr, il y a ce manque d'oxygène, il y a une pénurie d'oxygène, c'est catastrophique. Et on ne comprenait pas beaucoup la stratégie de l'État. Quand on voit que l'État a donné de l'oxygène, a envoyé de l'oxygène à la Tunisie, alors que l'Algérie, notre propre pays, est en déficit, est en manque d'oxygène, on n'arrivait pas à comprendre un petit peu la logique. Il n'y avait pas de logique. Sinon, les choses sont catastrophiques à l'échelle nationale. Moi, je suis sur Facebook, c'est devenu une rubrique nécrologique, malheureusement. Tous les jours, on observe des médecins qui meurent, des jeunes, des vieux. Hier, on a perdu aussi la belle famille. Elle a perdu un grand monsieur, un ancien champion d'Afrique en judo, grand athlète. Les hôpitaux sont saturés. Bon, on manque de tout, de médicaments, le Venox, il n'y a pas, donc il n'y a pas de concentrateur. Il faut savoir que l'année dernière, le concentrateur, le prix faisait, Made in America faisait 200 000 dinars, donc 20 briques, et chinois, il faisait de 10 litres, 18 briques, 180 000 dinars. Il y a quelques mois de cela, ça a monté jusqu'à 250 000 dinars, 25 briques, et là, sans rupture de stock, mais ceux qui sont disponibles, leur prix varie entre 600 000 dinars et 700 000 dinars, entre 60 briques et 70 briques. Donc, il faut voir qu'il y a aussi, il faut dénoncer, il y a des gens qui font du commerce sur les morts, sur les malades, sur la maladie. C'est des vautours. Voilà. Et j'aimerais bien que l'État, notre pouvoir, les pouvoirs publics, sévissent par rapport à ces personnes-là. Et j'étais en communication avec Alger tout le temps, tous les jours. Je travaille avec trois associations. Une association qui a pignon sur rue et qui est une association nationale que tout le monde connaît, c'est Winalqa. C'est mon ami Karimi Bachirène, mon ami, qui est président. Donc, eux, ils, se,
ils sont tous depuis 3-4 ans, ils sont sur le terrain. Ils avaient justement anticipé cette question. Ils avaient 170 concentrateurs à disposition. Tous ces concentrateurs ont été bien sûr affectés, donnés, donc prêtés. Il y a ces derniers jours, il y avait une liste d'attente. Donc, ils géraient tant bien que mal cette liste d'attente. C'était de la folie. Ils bossaient très dur, 7 sur 7, de 7 heures du matin jusqu'à pas d'heure. Aujourd'hui, ils ont rencontré le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Bon, on en reviendra. Je travaille aussi avec deux petites associations, une qui se trouve en Kabylie, Tafet Événement, et une qui se trouve à l'ouest, à Oran, BLK, c'est Benet El Khair. Donc, c'est des petites associations. Tafet Événement, c'est une association algéro-française. Donc, ils sont là, ils sont là-bas. La présidente, c'est Salima, Madame Sema Akarfa, dame très, très, très honnête, très sincère et très, très motivée. Et donc, on est constamment en échange. Tout à l'heure, je les ai appelés, on s'appelle. On a lancé une quête, une cagnotte sur l'Itchi, bien sûr. On participe tous à cet élan-là de solidarité. Heureusement aussi qu'il y a des opérateurs et des personnes qui sont bénévoles et qui donnent de l'argent. Tout à l'heure, j'étais avec Alger aussi au téléphone. Donc, on m'a confirmé qu'il y a un arrivage de concentrateurs, de 500 concentrateurs le 9 août. C'est des opérateurs économiques qui ont apporté ces concentrateurs de 10 litres. Donc, ils seront mis à disposition à prix coûtant. Donc, aux alentours des 120 000 dinars, 130 000 dinars. Et ils seront vendus aux particuliers, pas aux revendeurs, voilà, pour éviter la spéculation. J'ai reçu tout à l'heure un communiqué donc, du ministère de l'Industrie pharmaceutique où le docteur, donc le ministre de l'Industrie, docteur Abdelrahman Jamal Lotfi Ben Bahmed, a reçu l'association Winelqa donc, pour justement signer un protocole d'accord et pour appuyer le mouvement associatif. C'est-à-dire que maintenant, les associations peuvent importer, faire des demandes d'autorisation et importer des concentrateurs donc d'oxygène. Il y a quelques jours, il y a eu un petit souci, il y a un décret qui est sorti en disant que les particuliers pouvaient, donc en rentrant en Algérie, pouvaient emmener avec eux des médicaments et des concentrateurs. Mais malheureusement, il y a eu un blocage au niveau de Air Algérie. Il y a eu même des témoignages à Orly où Air Algérie n'ont pas voulu, le chef d'escale n'a pas voulu justement jouer le jeu et justement laisser les gens emmener des concentrateurs. Donc il y a une désynchronisation, on ne comprend pas trop. Il faut qu'ils se mettent au même diapason, Air Algérie et l'État. Donc justement, il y a vraiment des gens qui sont solidaires, qui veulent emmener des concentrateurs avec eux et qui veulent emmener des médicaments, notamment le Lovenox qui est vraiment qui est en rupture de stock et qui est critique pour dans le schéma donc dans le traitement du Covid des malades. Voilà, c'était le tour un petit peu que j'ai fait par rapport à toutes les informations. Si des personnes veulent envoyer faire un don, ils font ça où? Qu'est-ce que tu conseilles? Un don en argent ou en matériel ou... Un don en argent ou en matériel? Enfin, en matériel, en matériel, qui achemine? Il y a une possibilité d'acheminer. Les particuliers ont le droit, il y a un décret qui est sorti. Oui. En principe, oui. Les particuliers ont le droit d'emmener avec eux des concentrateurs et des médicaments sans payer de douane ou sans avoir d'autorisation. Mais il y a eu un petit cafouillage, un petit problème au niveau de, je prends exemple d'Orly, il y a eu un souci où l'escale Air Algérie n'a pas voulu laisser passer ces gens-là. Voilà, donc il y a un problème de synchronisation.
J'espère, bon, ça s'est passé il y a 3-4 jours. Les choses évoluent vite. Bon, comme je vous ai dit, le ministre a aujourd'hui reçu l'association Winelqa. Donc, par rapport à ça, ils ont fait une tentative pilote avec cette association. Et donc, je pense que ça concerne, je suis même convaincu que ça concerne tout le mouvement associatif. Toutes les associations, bien sûr, il y a des conditions, demande d'autorisation d'importation à titre de don, comprenant la désignation du produit, les quantités de l'équipement importé, agrément et statut de l'association, facture pro forma, fiche technique de l'équipement importé. Donc, toutes les associations qui ont des moyens, qui peuvent, justement, par rapport à ce communiqué du ministère de l'Industrie pharmaceutique, ils peuvent importer aujourd'hui, ils ont l'autorisation. Voilà. Donc, ça évolue très vite. Reza, oui. L'association Winelqa, c'est une grande association, c'est ça? Absolument. D'accord. Juste une question, parce que sur le plateau, on a Yahya qui est de Béjaïa, et du coup, je me demande s'il n'y a pas possibilité de faire une connexion. Je pense aux connexions. Avec plaisir. Je mettrai en contact avec Karim Ibachiran, qui est un ami de longue date, hein, c'est un ami d'enfance, qui est président, co-président, co-fondateur plutôt, et président. D'accord. Ah oui, je trouve l'idée superbe de retrouver une connexion, voilà. Comme elle a peut-être plus d'expérience avec la chose, ils pourront peut-être nous aider dans ce sens. Il faut se saisir. J'ai parlé avec des personnes parce qu'il y a des initiatives partout, les gens s'en sentent concernés, il y a vraiment un élan de solidarité tel que je suis vraiment impressionné. J'ai parlé avec des gens qui sont du côté de Montpellier et eux, ils veulent monter juste une plateforme informatique pour justement concentrer toutes ces... avoir un point d'entrée de toutes ces associations, toutes ces aides, et même qui voulaient créer même un compte fournisseur au niveau du fournisseur, un compte pour justement alimenter directement le fournisseur pour qu'il n'y ait pas de micmac, pour qu'il n'y ait pas de exactement, de spéculation. Ok, c'est bon, Reza? Oui. Alors, on a avec nous Farid Zeroual. Alors, Farid Zeroual est... Il travaille à Berber TV, hein, il fait de très très belles vidéos d'ailleurs. Et donc Farid, qu'est-ce que tu peux nous dire de la situation aujourd'hui? Tu étais en réunion à la Wilaya et qu'est-ce que tu peux nous dire? D'abord, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ce que je peux dire, d'abord, je vais commencer par le silence radio du PAPC, et son exécutif. Pour la crise sanitaire qu'on vit maintenant. Oui, bon. Oui. Je veux préciser, il y a plus de travaux, moins que les îles. Majoritairement, on proposait d'acheter un générateur d'oxygène qui coûte 3 milliards pour l'hôpital de Nouvelle-Guinée. Par cause de divergence, Ils ont rien fait jusqu'à présent. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait, Farid? Qu'est-ce qui se dessine, en fait? J'étais appelé avec le PAP, oui, M. Haddadou. Ils vont débloquer 40 milliards pour l'achat des générateurs d'oxygène pour les hôpitaux de Bouguet, la ville de Bouguet. D'accord, oui. Je veux rajouter, même il y a un élu, Nordine Julen, qui a proposé à la population de Gayet de déposer plainte contre l'APC de Gayet qui n'a rien fait jusqu'à présent. Alors que la crise a dépassé toutes les limites. C'est porter plainte pas uniquement contre l'APC, c'est aussi porter plainte contre les autorités qui sont silencieux quand même, ils ne font rien. C'est une non-assistance à un peuple en danger, enfin, voilà quoi. Mais il y a urgence, il n'y a pas à réfléchir. Bon, à présent, il y a l'autorité d'organisation des citoyens. Oui, c'est ça, oui.
Et tu as organisé des vidéos Tu as organisé des vidéos autour de ça, Farid? Parce que c'est une mémoire, ça, il faut garder. J'ai des rendez-vous avec plusieurs. Oui. Il faut filmer, il faut garder, en fait. Ils ont installé un comité chargé de la collecte des dons pour l'acquisition d'une centrale, pour l'acquisition d'une centrale d'oxygène pour l'hôpital d'Aoukas, parce qu'il n'y avait plus. Il n'y a rien à faire pour les malades. Maintenant, qu'est-ce qu'on a remarqué, les décès sont dus à manque d'oxygène. C'est le manque d'oxygène qui tue maintenant. C'est pas le problème. Oui. Farid, donc tu as fait un petit peu le tour. Donc on a la PEWI qui va débloquer de l'argent, tant mieux. APC de Béjaïa ne fait rien. Alors je ne sais pas dans les autres villes, est-ce que les APC bougent? Est-ce qu'elles font quelque chose? Je ne sais pas, on n'a pas de témoignage. Il y a des industriels qui. Oui, c'est des particuliers. Oui. Arbo, par exemple. D'accord. Il y a des donateurs anonymes. D'accord. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut proposer pour demain. Il m'a donné un rendez-vous pour demain, je vais le voir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va proposer. À part ça. En fait, Farid, toi, bon, bien sûr, hein, c'est important que tu aies une participation active, mais je pense que c'est la mémoire que tu dois laisser, c'est effectivement d'aller prendre ta caméra et de filmer, et d'interviewer les gens quand c'est possible, mais voilà, et faire des films, en fait, et laisser une trace, c'est très important. Je vais aller même voir un psychologue, parce qu'il y a la panique, il y a la psychose qui... Comment il s'appelle Riyad. Riyad, oui. Riyad Bekaoui, oui. Apparemment, il fait le tour des hôpitaux, oui. Voilà. Demain, on va diffuser. C'est important. C'est très important. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose rapidement. C'est vrai que la situation est très, très, très critique. J'espère que on s'en sortira parce que. Le Covid touche tout le monde, y compris ici, y compris ça commence à monter, les gens vaccinés, c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on peut pas l'avoir, et du coup, il faut faire toujours attention. Cette histoire de prévention, cette histoire de sensibilisation est très importante. Donc, apparemment, faire un don, voilà, donc, Alabah, merci. Initiative à Montréal, très bien. $48, ah oui. Et c'est dommage, Rabah n'est pas là pour Nadia. Ah oui, tu es là, Rabah. Ah oui, Fares. Oui, juste un petit témoignage pour la wilaya de Gigel. Oui, très bien. On m'a informé ce matin qu'ils ont fermé toutes les plages. Donc, il n'y a pas d'afflux de touristes. La wilaya est vide et les vaccinations augmentent. Hein, on m'a dit que tout est archi-comble au niveau des hôpitaux et des polycliniques pour se vacciner. Voilà. Et la saison estivale est pour l'instant annulée. Et les baignades sont interdites. Même pour les gens de la ville, c'est interdit. Voilà. Oui. Très bien. Donc, écoutez, de Mouloud Feraoun, on est passé à la situation, mais c'était vraiment un flash spécial. Je me suis dit, il est important qu'on en parle. Oui, Fares. Juste, Nadia, on a parlé de Feraoun, l'écrivain, l'homme politique engagé, mais on n'a pas parlé du poète. Parce que figurez-vous, on a ce qui nous reste des poèmes de Feraoun. Robles a trouvé un poème dans ses papiers. Oui. Voilà. Je ne sais plus où il en a parlé dans la vidéo, je crois, dans une vidéo, je crois, j'ai lu. Moi, je l'ai trouvé dans la biographie de Lanzini, et donc je vais vous le lire. Et il est inspiré de son voyage en Grèce, et il a comparé les villages grecs aux villages kabyles. Hein, c'est ça, voilà. Oui. Alors, ce que Feraoun nous dit sous la plume du poète.
voici que se heurtent les mots. Les mots insensés, ô tristes mots. Voici que se heurtent les mots de ceux qui s'oublieront bientôt. Voilà. Donc ça, c'est Ferhaoun le poète. Oui, oui, mais je l'ai lu, ça fait pas longtemps où je l'ai écouté, je sais pas. Oui, non, mais Ferhaoun, je pense que c'est un sujet intarissable. Alors, moi, je vous remercie beaucoup, hein, à vous tous. Hein, je n'ai que des hommes, en fait, sur le plateau, donc à vous tous. On n'a pas eu beaucoup de questions, on n'a presque pas eu de questions. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de... enfin, on verra combien ont été connectés. Donc, merci à toutes et à tous. Et moi, je vous dis, retrouvez Alternaculture à partir du 1er septembre avec de nouvelles émissions. Et puis, donc, merci encore et très bonne soirée à vous. Merci. Merci à tous. Merci.